Dieu Père de tous les siècles, Créateur de toutes choses, Tergo de l'univers, a réellement pris chair ici à Panama. Cette vérité apparaît toujours comme un rêve, chaque fois que l'homme y pense. Et c'est pourquoi nous ne pouvons jamais cesser de l'évoquer. Elle est si grandiose et si troublante, dépassant l'entendement humain, que les hommes de ce temps refusent d'y croire, rejetant ainsi leur salut éternel. Mais à ceux qui croient, ceux que vous avez choisis d'amour, vous avez donné d'être appelés vos fils et filles du Dieu très haut, co-héritiers de la vie éternelle avec vos veaux, sans aucun mérite de notre part. C'est une grâce des femmes, d'Argovie. Tu es devenu héritier du royaume des cieux par la volonté et le choix de Dargo, notre grand-père. Sache que rien, rien, absolument rien, ni personne d'autre, dans ce bas monde d'Argovie, ne peut te faire entrer dans la vie éternelle, si ce n'est Dargo seul, le seul et unique bâtisseur du paradis. D'amour, quel amour, quelle gratuité d'amour, amour si grand et si abyssal, amour pourtant offensé, nous l'avons souvent rejeté sans raison, par nos pensées, nos négligences, nos paroles, nos actes, nos murmures, nos omissions, notre insouciance. C'est pourquoi, grand-père, nous vous demandons humblement pardon pour tant d'ingratitude. Pardonnez à vos petits-enfants que nous sommes, surtout en ce moment où nous semblons nous égarer loin de votre cœur infiniment bon et infiniment aimant. Il faut plutôt se convertir et
aimer véritablement notre grand-père comme il nous aime, c'est-à-dire sans condition. Car il y a un an, Pentecôte 2017 à ce jour, esprit de vérité, esprit qui sont dans les cœurs, vous avez réformé votre Église, vous l'appelez sainte et irréprochable, et à cet effet, vous avez révélé au clair nos erreurs et nos mauvais comportements. Vous avez alors procédé à un nettoyage à fond, Père très bon. Vous ne nous avez pas abandonnés toujours. Vous nous avez réintégrés en nous accordant votre miséricorde infinie. C'est le Dieu de miséricorde. Soyez infiniment glorifié, Père très bon, Père d'amour. En ce jour, nous regrettons les mauvais comportements de notre frère Elfin Kapo. Et nous voudrions chacun faire ici amende honorable pour ne pas tomber dans de si graves délits. Mais c'est seulement encore votre grâce que vous nous avez déjà accordée qui peut nous aider à y parvenir. Père, grand-père, nous comprenons de mieux en mieux l'indicible amour que vous avez pour nous, vos petits-enfants. Et nous voudrions vous dire du très fond de notre cœur et de notre être que nous vous aimons. Bébé, nous vous aimons par-dessus toutes choses, au-delà de toutes choses et malgré toutes choses. Et nous vous aimerons toujours. Que les cieux s'ébranlent, que la terre s'effondre, nous vous aimerons toujours. Oui, car vous, il est juste et bon. Car vous seul soit rendu toute gloire et toute louange, non pas d'abord pour votre puissance inégalable dans l'univers, mais plutôt pour tant d'amour, amour sans mélange ni atermoiement. En témoigne la vidéo que vous avez daigné envoyer à vos enfants en date du dimanche 13 mai dernier. C'était plein d'humilité, de tendresse, de paix, d'amour et de miséricorde. Soyez sans toujours glorifié d'amour par nos pensées les plus secrètes et la moindre respiration de nos cœurs. C'est avec l'élan de ce même amour que d'amour, grand bâtisseur de tous les temps, vous allez engager de grands travaux de réaménagement à la cité de la Cour Céleste. Réflexion et équipement des bureaux qui honorent l'image de la mission, câblage de l'intérieur et de l'extérieur de la cité, pavage intérieur et extérieur, réaménagement du site, construction de la salle de réunion à plus de 400 places assises. En un mot, la cité vitrine de la mission retrouve ses lettres de noblesse et nous sommes si fiers d'avoir une demeure aussi digne. Au nombre des réalisations qui honorent la mission, je voudrais citer ici la réfection de la chancellerie, la reconstruction de la maison de Dodovan, la construction de la maison des sœurs et de l'orphelinat à Beito, et j'en passe. Pourtant, Darko, vous ne résidez pas ici-bas. Tout cela, vous le faites par amour pour vos petits-enfants que nous sommes. Et cela, à travers de grandes difficultés financières. Bien cher d'Armovie, il faut compter au-delà du milliard à la réalisation de ces travaux. Mais comment participes-tu à leur exécution? D'abord, vous avez entrepris de lever vos enfants à tout point de vue, malgré notre insouciance et notre abdurcissement de cœur. Vous n'avez jamais baissé les bras dans l'accomplissement de vos devoirs de grand-père. D'Armovie, vois-tu, ne vois-tu pas combien ton amour est le Dieu fidèle qui aime ses enfants sans condition? Alors, pour tant d'amour et de sacrifice, d'amour, nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Père très bon, nous savons que pour nous et pour nous seuls, vous avez accepté tous les sacrifices de ce monde.
nous rappelons encore les tournées de notre grand-père Dabo dans différents diocèses. Sous le soleil, la pluie, le vent, avec tant de faim, de fatigue, de soif et d'insomnie, sans compter les stress quotidiens résultant de notre endurcissement de cœur. Dabo vit, sache que ton Dabo fait tout cela pour toi et qu'il le fera davantage au-delà de tes attentes. Si seulement tu savais qu'il t'aime sans condition, alors pour tant d'amour et de sacrifice, Dabo, nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Les derniers temps approchent et les supports de Bézébo l'engagent. Mettre tout en œuvre pour débrancher les Dabovis et les empêcher de vous suivre Dabo. Vous, le seul et véritable Dieu, Dabo, nous voyons bien. Cela constitue pour vous d'énormes souffrances, parce que bien des Dabovis se prêtent au jeu de l'ennemi. Ils ne comprennent pas, ils raisonnent, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Vous blessent ainsi Dabo, vous, la seule source de tout bien. Pourtant, en décembre dernier, grand-père, vous nous avez prévenu des machinations, des complots et des machinations, des complots et des coups fomentés par les forces du mal courant 2018. Et vous avez promis à chaque Dabovi votre assistance particulière à nous protéger tous et chacun de la gueule de Bézébo et de ses supports. En ces derniers mois, nous avons entendu ou même vu des sacrifices humains accomplis par les adeptes de Kérésie, les Romains et les ritualistes. Mais aucun Dabovi ne fut atteint du danger de la nuit ni de la peste qui roule dans le noir. Tchèli, 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 Dabovi, ne vois-tu pas combien ton Dabo t'aime et respecte toujours ses promesses vis-à-vis de ses enfants? Alors, pour tant d'amour de sacrifice Dabo, nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Lors de vos nombreuses tournées, Père Clermont, à travers le diocèse, vous avez organisé des nuits de feu, dont les plus probantes furent celles d'Aclamin, de Téti et de Paramin. Sur vos commandements, des arbres furent mystérieusement calcinés et déracinés. Des oiseaux de mauvaise augure moururent et des familles entières libérées du pouvoir des forces du mal. Tchèli, 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 Dabo. Dabovi, sache que Dabo a fait tout cela pour toi seul, pour te libérer de l'emprise du pouvoir maléfique. Tu es son enfant, il t'aime infiniment et tu as du prix à ses yeux. Alors, pour tant d'amour et de sacrifice Dabo, nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Dabovi, rappelle-toi à ces cantiques, Dabo, ta l'ouverture du Saint-Abîme de la vie éternelle. Bientôt, Fofo te remettra la crosse princière et à l'autre, tu recevras la couronne de maman. Te voici, prince du Dieu éternel et vivant. Dieu vivant et vrai, c'est-à-dire Dabo comme Dabo, dont tu portes le nom d'héritier, Dabovi. Tchèli, 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 nous-mêmes, papa. Vois-tu quel privilège tu as? Tu es plus important aux yeux de Dabo que tous les princes de ce monde. Dabovi, qu'as-tu fait pour mériter toutes ces grâces? Rien, absolument rien. Vois-tu combien Dabo t'aime? Combien tu as du prix à ses yeux? Que pouvais-tu donner en échange pour mériter une si grande principauté? Sache que tout cela relève simplement de la gratuité de l'amour de Dabo pour toi. Sache que ton Dabo t'aime sans condition.
Alors, pour tant d'amour et de sacrifice, d'amour, nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Père très bon, à l'orée de 2018, vous avez multiplié les cérémonies de purification afin que nos âmes resplendissent de votre dignité, car vous êtes le Dieu trois fois saint, la source de toute sainteté. En vérité, aucun homme n'est digne de voir votre face. Dieu est vraiment saint. Et pourtant, vous avez fait des tabouris, des co-héritiers de votre royaume avec Fofo. Jerry, 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 nous, mes papa. Imagine-toi, Jacobi, que sur tous ces 10 milliards de femmes et d'hommes sur la terre, tu fais partie de ce petit reste de 4 millions à bénéficier de si grands privilèges. Jacobi, ne vois-tu pas que ton tableau t'aime au-delà de tout ce que tu peux s'imaginer? Alors, pour tant d'amour et de sacrifice, Jacobi, nous vous aimons. Et nous vous servirons toujours. Père Dago, comment ne pas proclamer vos bienfaits par les tacarangous que vous avez revêtus de la toche du pouvoir en cette festivité de Pentecôte? Ce sont là des grâces incommensurables qui s'impriment dans les âmes. Vous avez fait de vos enfants un peuple de prêtres. Peuple de prêtres. Peuple de roi, assemblons-nous, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Oui, ta bovie, chante sans fin, ton dabo, ta bovie de Karabou. Ta bovie te lève à cette dignité. Au moment même où le décret du catholicisme romain affiche cette tendance, Jerry, 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 Luta, réjouis-toi et chante ta joie. Loue ton Seigneur, exemple d'amour, car lui seul peut faire toutes ces merveilles. Lui seul peut élever le pauvre de la cendre. Rappelle-toi ce que tu étais avant l'arrivée de ta peau. Ne vois-tu pas combien ton tableau t'aime? Ta peau, il t'aime sans condition. Pourtant, ta peau de sacrifice, ta peau, nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Te rappelles-tu, ta peau, que Paul nous a enseigné et a démontré par sa vie qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Aujourd'hui, ton grand-père Dago t'a marqué de plusieurs options. Il t'a tout donné. Il te nourrit régulièrement de son corps et de son sang. Le corps et le sang de l'unique et véritable Dieu, créateur de toutes choses, pour que tu demeures en lui et lui en toi. Qui es-tu, Dago? Dago t'a donné ce qu'aucun roi de ce monde ne peut obtenir, quelle que soit la densité de l'or et de l'argent qu'il possède. Dago, vous avez tellement aimé le monde que vous lui avez donné non seulement votre fils Fofo, notre Fofo, mais aussi vous-même et tout vous-même. Jerry, 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 nous mes camarades. Vois-tu Dago, fille, combien Dago t'aime? Combien tu as du prix à ses yeux? Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Dago, vous en donnez quotidiennement la preuve. Alors, pourtant, Dago le sacrifice, Dago, nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Mais très bon, Dago, vous ne faites jamais exception de personne, car tous les hommes sont vos enfants. Vous aimez toutes vos créatures de même amour. Et vous faites lever le soleil sur ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Le roi, la pluie, sur les justes et les injustes. C'est dans ce pays d'Ago que vous avez été tellement touché
par les conséquences de crise sociale généralisée, ayant paralysé tous les secteurs de la vie, l'éducation, la santé, la justice. En tant que bon père, vous avez initié un forum de réflexion politique confié à son éminence Simon Cardinal à Gossa. Mais très bon. Vous avez rencontré les différents syndicats de tous ordres, écouté le peuple à travers les pédagogies, et vous avez activé le peuple d'Ambo. Pour tant d'amour et de sacrifice d'Ambo, nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Dambovi, tu viens de comprendre que ton Dambo, le seul créateur de toutes choses, t'aime d'un amour inépuisable. Quelle résolution prends-tu en cette fête de Pentecôte 2018 pour correspondre à cet amour que tu ne mérites même pas? En tout cas, je ne le mérite pas. Examine ta conscience et donne une réponse personnelle à ton Dambo du plus profond de ton cœur, ici et maintenant. Rappelle-toi les promesses que tu as faites hier. Ton grand-père t'écoute et prend acte de ton engagement. Mais sache que Dambo ne change jamais. Il est toujours le même. Aujourd'hui, hier, demain et toujours. Oui, Dambo, vous serez toujours notre Dieu et notre grand-père. Et nous serons toujours votre peuple et vos petits-enfants. Dambo, veuillez recevoir ici toute la gloire qui vous est due pour votre fidélité à vous-même et à toutes vos créatures. Vous serez toujours notre unique fierté. Que toute gloire vous soit rendue au-delà de tous les siècles. Bien cher Dambovi, je te propose de réfléchir à cette invitation de Moïse au peuple d'Israël lors de son cheminement demandé par Dambo dans le désert au livre du Deutéronome. Écoute Israël, Dambo notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras Dambo ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je prescris aujourd'hui resteront gravées dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras aussi bien dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 6, versets 4 à 9. Je voudrais reprendre aussi cette exhortation de l'ange de Fatima aux enfants pastoraux de maman chérie au Portugal. Citation. Et vous, consolez votre Dieu. Oui, ta vie, console ton Dieu. Console ton grand-père. Console-le, car il souffre déjà beaucoup à cause de nous. Ta vie, nous ne pouvons remercier et reconnaître tout ce que vous avez fait à sa juste valeur. Mais nous vous offrons les battements de nos cœurs. Grand frère Bovo, Jésus, nous vous découvrons un peu plus de jour en jour. Vous avez la rigueur dans les actes, l'obéissance inconditionnelle au commandement du Dambo. Vous êtes de principe le digne fils de Dambo. Merci pour votre cette colère à l'endroit de vos petits frères que nous sommes, pour nous ramener à la raison. Merci pour le pardon accordé. Nous vous promettons de faire désormais les choses de façon à vous ressembler dans l'obéissance à Dambo. Fofo, nous voudrions vous dire que nous vous aimons profondément. Oh, maman chérie, c'est pour notre espoir. Chaque fois que nous nous souvenons de votre présence au poteau de Dambo, nous avons une grande assurance que tout se passera finalement bien. Maman, pardonnez-nous de vous avoir mis dans l'embarras chaque fois que nous sommes désobéissants. Petit à petit,
votre fierté sera consolidée de nous avoir comme vos enfants. Merci pour votre intercession maternelle chaque jour. Nous sommes fiers d'être vos enfants, maman chérie. Nous vous serons. Très saint Père, Foufou Christophe, nous prenons la mesure des peines que vous endurez chaque jour à notre nom dans la chair. Les insomnies, le stress et les soucis quotidiens, la fatigue permanente, les renoncements aux joies terrestres. Foufou, Dieu ne se trompe pas. Vous êtes celui qu'il nous faut pour nous aider à marcher sur le chemin de l'obéissance à Dabo. Pays fils inconditionnel de Dabo, vous ressemblez à vos Jésus. Pardon pour les peines que nous vous faisons subir. Merci pour votre ténacité de tous les jours. Vous serez toujours notre grand frère et notre guide sur cette terre. Pour vous, infiniment merci. Et vous, chers Fofo et Dada du ciel, nous croyons fermement à vos engagements en notre nom. Seulement, nous ne pouvons pas vous avoir continuellement en chair. Merci pour tant d'investissements personnels et votre secours quotidien dans nos vies. Nous vous aimons et nous serons toujours vos jeunes frères et sœurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos intercessions. Dada Fellou, vous êtes tout pour nous. Depuis lors, vous n'avez plus de vie personnelle. La vôtre est la volonté de Dada. C'est grâce à vous que nous voyons et écoutons Dieu, le Saint-Esprit, notre Dada. Merci pour tous les sacrifices consentis, les privations, l'abandon de soi, la volonté de Dada. Nous constituons votre famille et nous sommes fiers de vous avoir comme sœur. Dada, tous les Dabodis vous servent, infiniment merci. Bien cher Naïe, vous incarnez la sagesse de Dabo dans vos enseignements. Ce n'est pas facile de conduire tant d'enfants que nous sommes. Merci pour votre patience, vos conseils si éloquents. Naïe, Naïe, vous serez toujours notre Père. Infiniment merci. Dabo, veuillez pardonner cette digression. S'il existait un autre univers régi par un autre Dieu, ce Dieu ne serait jamais comme vous. Vous êtes le comprimé d'amour dans lequel toutes les créatures sorties de vos mains ont la fierté de vous appartenir. C'est pourquoi, Père très bon, j'invite à l'instant toutes les créatures sorties de vos mains, Dabo, au ciel, sur terre, aux enfers, à chanter sans faire la gloire, l'amour et la puissance de votre nom, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Well,